Eh bien, salut tout le monde, c'est Rio. On se retrouve donc aujourd'hui pour tester DuckTales, en fait un jeu qui était sorti dans les années 89, si je ne me trompe pas. Un excellent jeu de plateforme, en fait, dans le même univers que Mario, qu'on peut voir en 2D, en fait. Donc pourquoi j'ai décidé de faire le test du jeu, en fait, pour qu'il va être un test rapide. Ah là là, ce sont de Capcom à l'époque, je me rappelle des Street Fighter d'avant. Pardon. Pourquoi j'ai décidé de faire le test du jeu, en fait, pour la simple et bonne raison, puisque je trouve que sur PlayStation 3, pour les enfants, votre épouse, votre copine, pour les filles en général, je trouve, même pour les mecs qui adorent tout simplement les jeux de plateforme 2D, il y en a pas beaucoup. On va voir du Rayman, on va voir il n'y a vraiment pas beaucoup, quoi. J'étais même en train d'en chercher. Et je trouve que le fait qu'ils ont fait DuckTales Remastered, ça tombe super bien. Le jeu, il coûte 14,99€ sur le PSN. Vous pouvez le trouver actuellement sur le... Attention, je précise, parce que chaque fois, je précise les prix, je vous dis où ça se trouve. Je travaille pas pour Sony, je tiens à rassurer tout le monde. Donc, non, mais c'est juste, voilà, quoi. Je trouve pour 15 balles. Voilà, là, on voit les graphismes du jeu. Évidemment, j'avais fait le premier tableau, moi. J'avais déjà joué juste avant, pour tester un petit peu le jeu. Donc là, c'est normal, j'ai déjà une donnée de sauvegarde. Je trouve que vraiment, il est beau, il est sympa, il est mignon. Je trouve que c'est mignon et c'est un bon jeu de plateforme à faire. Excusez-moi, hop, je vérifie un truc. Voilà. Je suis à vous. Donc là, on va faire d'entrée, je vais vous montrer quelque chose. On a débloqué un trophée, article ménager extravagant. Là, je voulais juste vous montrer ça parce que c'est super kiffant. C'est Picsou, donc le Picsou qui, comme on peut voir dans les dessins animés, qui nageait dans son or, en fait, tout simplement. Et là, je voulais vous montrer ça parce que voilà, c'est une trip, c'est tout con, mais ça me plaît. Ça me plaît parce que pour tous les gens de mon époque, je veux dire, moi je suis une trentenaire, je regardais Picsou à l'époque quand j'étais gosse, hormis Dragon Ball Z, quoi. Je veux dire, je regardais ça et je trouve que c'est des souvenirs, de nostalgie et qu'on retrouve dans le jeu. Bref, passons sur la nostalgie et mes souvenirs d'enfance. voilà, grosso modo, on voit le jeu, il est très très mignon. Je trouve que le graphisme 2D. Il est beau, ils sont vraiment gavés, ils ont pas pris les gens pour des cons. Là, je vais dans le menu un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc là, on va voir, tout est bloqué. Voilà, on va essayer les personnages, on va voir ce que c'est. Bon, apparemment, je pense que c'est des descriptifs des personnages qu'on peut obtenir. Là, je vais prendre Flagada Jones. Donc Picsou, tout le monde le connaît, hein, je veux dire, voilà, là, on voit Flagada qui est présenté. Vous avez justement Flagada Jones, là j'ai gagné une trophée encore, Passion d'or. Flagada Jones, puis l'oncle Picsou, les Raptou, Mystique, voilà quoi, pour tous ceux qui connaissent Picsou, Fifi, Riri, Loulou. C'est vraiment un truc de gosse, et pour ça je voulais faire ce test, et parce que je trouve qu'il n'y a pas de 2D, de jeux 2D, ça manque énormément de jeux plateforme 2D, et je vous recommande vraiment à toutes les personnes qui aiment les jeux de ce style, je vous le recommande vraiment ce jeu, c'est un petit coup de cœur en fait, je le cache pas, attention c'est pas le jeu de l'année, machin, je sais pas quoi, mais moi je le recommande personnellement, je trouve sympa, c'est pour ça que j'ai fait le test dessus. Là on voit Mystique, d'ailleurs j'adore ce personnage. voilà, un petit peu sortir des menus. Voilà, j'ai pris Gripsou juste pour marquer le coup. Voilà, je sais même pas à quoi ça sert d'acheter ça. Bon, on s'en fout, de toute façon, du pognon, Picsou et Lana, c'est pas ce qui lui manque. Là il sauvegarde. Et puis là, on va essayer de se lancer dans un niveau. On va faire un niveau ensemble. Donc c'est pour ça que je vous dis la vidéo, elle est pas très longue, elle dure une vingtaine de minutes, mais c'est pour vraiment vous montrer le jeu et pour toutes les personnes à qui ça peut plaire et à tous les abonnés. Je passe plutôt l'univers, voilà, particulièrement pour nos abonnés très jeunes et pour les mesdames et mesdemoiselles. Ça peut être vraiment un jeu à voir. Parce que souvent, voilà, vous voyez votre épouse, votre copine qui vous dit ah, Call of Duty, oh putain, quel jeu de merde, tout ça, excusez-moi l'expression, mais putain, c'est chiant, FIFA, machin. Ben voilà, si vous voulez trouver un bon compromis à la maison,
je recommande ce jeu. Je parle en cas personnel. Donc voilà. Là, je choisis le tableau Transylvanie. Donc on va se diriger vers le tableau. Et on va voir ce bon petit jeu. Voilà, il arrive, Oncle Picsou, machin, lui, somme, les enfants. Draculeski, voilà. Donc référence à Dracula, un canard boiteux. Voilà. Il y a le. Comment s'appelait déjà le. Je me rappelle plus, Lala, c'est ça? Non. Comment s'appelait la fille, putain? Bon, elle va parler, on va voir on va voir son pseudo. Bah, Zaza, voilà, ça y est, je me rappelle plus, je dis Lala, moi, c'est Zaza. Quelle honte à moi, je me rappelle pas de Zaza. Là, on va rentrer, bon, on va passer le. La cinématique. Et on commence, voilà. Bon, toujours Ryu surexcité avec ses personnages, en train de sauter dans tous les sens. Oui, parce que je suis une pile électrique dans la vie aussi, c'est pour ça que ma façon de jouer, en fait, c'est totalement personnalité. Voilà. Alors, tac-tac, là je vous montre comment on peut sauter, comme on peut le voir. Ça vous aidera aussi, comme dans un bon Mario de. Ah, j'ai raté les diamants. Attendez, je vais retourner les chercher. On va passer l'intro. Comme dans un bon Mario, je pense en sautant comme ça, où tuer les ennemis. Voilà, on passe l'intro. Je vais retourner chercher les diamants là. Hop. Oh putain, j'ai encore loupé un diamant. Oh là là, je suis une catastrophe, c'est pas possible. Je suis vraiment une catastrophe. Ah, mais y a plus rien, je suis sûr que l'autre aussi il n'y est plus. Mais qui est con? C'est pas possible. Bon, bref, on s'en fout. Allez, c'est parti. Ça part de là. On regarde un peu la déco, on a le tableau derrière, tout ça. Non, il est vraiment mignon ce jeu. Hop là, on tue l'ennemi. On passe en dessous. Hop, on récupère un petit James. On passe en dessous, là, on va casser les briques. J'adore péter des briques dans les jeux d'D. Je sais pas pourquoi, c'est une phobie que j'ai depuis Mario, en fait. Tout simplement. Le bruit, même les bruitages, ça me rappelle quand même Mario. Là, il est vraiment terrible ce Picsou là. Ductal, c'est vraiment. Prenez-le et vous verrez, vous serez pas déçu. Genre, si vous avez 15 euros sur votre PSN et vous cherchez un petit jeu sympa en 2D à jouer en famille ou même tout seul, hein, je veux dire, si vous aimez les jeux de plateforme, moi j'adore personnellement les jeux de plateforme, donc je me rappelle la grande époque des Donkey Kong, les Mario, tout ça. Bon, évidemment, ça, il s'agit des joueurs PlayStation, hein, je précise, hein, parce que là, c'est pas compliqué, vous allez me chercher une Wii et tout ce que je veux dessus, certes, mais là, c'est pour la Play, on va dire, elle est vraiment sevrée de jeux de plateforme 2D. Donc là, je m'excite encore, c'est parti. Hop là, en plus, je me fais avoir. Hop là, on grimpe. Putain, je me suis roulé avec ma clope, décidément. Alors, je vous rassure, je fais pas exprès à chaque fois que je fais une vidéo de fumer. C'est pas un accident. Mais quoi, pas attention, mais Casper. Enfin, Casper, vous avez compris. Et un fantôme, on va dire. Enfin, un faux fantôme. Parce qu'on va se rendre compte, tout simplement, qu'il s'agit d'un. Hop là, je me suis fait avoir. Attention sur PC, un rapoteau, bien sûr. C'est la gonflette rapoteau. Ouais. Je me rappelle des rapoteaux, là, ils avaient leur mère, là, leur grand-mère, je sais plus qui c'est. La méchante là, qui dirige les fils, là. Putain, je la kiffais vraiment. C'est vraiment top et excellent, l'univers Picsou. D'ailleurs, pour tous les amateurs de Disney, je trouve que ça tombe bien de faire ce petit test de jeu. Parce que moi je me languis un jeu qui va sortir. Le jeu que je me languis évidemment c'est Kingdom Hearts 3 sur la PS4. Mais en attendant, voilà, comme vous savez, ils ont remasterisé Kingdom Hearts pour la rentrée là, au mois de septembre. D'ailleurs en septembre il y a pas mal de jeux, vous verrez, il y a pas mal de tests qu'il va y avoir sur la chaîne. Il y aura les GTA 5 évidemment, Mythic GTA 5 qui que tout le monde attend. Il y aura du FIFA. D'ailleurs dans la prochaine vidéo, justement, on va bien parler de FIFA. Et il y a une vidéo qui se prépare avec nos deux programmes gamers en fait, qui sont Ramengan et Planus. Mon ami Lanus, donc je te fais la bise, désolé, pardon.
Et en fait, dans la prochaine vidéo, donc on débattra sur FIFA, je présenterai un petit peu les joueurs, le projet FIFA. Bon, enfin, on n'est pas dans FIFA, donc je vous parlerai dans la prochaine vidéo, je vous en dis pas plus. Donc là, je me fais encore avoir, décidément. Là, j'ai tiré la bombe dans la gueule. Ah, je ramasse une glace, hop. Voilà. J'adore les glaces. Alors, je vous dis ça. Je suis une grande passionnée de glace. Dans la vie. Voilà. Là, oh, le fantôme, il est vraiment chiant, là. Le petit fantôme, là, qui sort de tous les côtés, là, il est vraiment... Hop là, on avance. Alors, je tiens à m'excuser pour mon langage grossier par moment. Je ne fais pas exprès, c'est dans ma nature. Non pas que je suis quelqu'un de grossier, pas du tout. Tous les gens qui me connaissent vous diront que... je suis la personne la plus polie qui peut exister. Donc, hop, encore le fantôme, là. Il y aura vraiment gavin sur ce truc. Hop là, je suis lui, j'ai tué la boule, enfin j'ai tué la boule, j'ai cassé plutôt la boule, de tirer sur l'ennemi comme un con, comme d'habitude. Alors, c'est une catastrophe dans les jeux vidéo, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que je suis une vraie cataclysme naturelle dans les jeux. C'est-à-dire, je vais arriver devant une énigme qui est tordue, mais qu'il faut 4 heures pour la trouver, et je vais mettre 3 minutes pour la trouver. C'est-à-dire, ça me prend vraiment 2 secondes. Et devant les trucs les plus cons qui peuvent exister, eh ben, je passe 2 heures devant. Je passe 2 heures à chercher ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, c'est, je sais pas, c'est une catastrophe. Là on est passé à travers la glace, donc là on va monter sur... Hop là, c'est parti. Là, il est vraiment top. Hein. Ça... Il est beau comme vous pouvez voir, voilà, je me suis fait avoir comme un con encore. Voilà. Temps de réaction 0, comme dirait Alexandre de Black Ops. Ça c'est bon, tac. Hop là. Là il est vraiment top. Là je vous le recommande, vraiment c'est un bon petit jeu. Bon graphisme au top, un bon petit 2D comme on aime. L'univers, bon, ben, évidemment, pas besoin de vous le présenter, il est culte et mythique. Je pense que toute la terre entière connaît Picsou. Là, on passe à la cinématique direct. On va rentrer dans oh là là, c'est fantôme, décidément. Là, c'est une autre rap pour tout. Ah, quelle surprise! Bon, le scénario, bon, il est pas compliqué, c'est Picsou quoi, il se fait braquer par les rapatous, puis il va chercher des trésors, il va se gaver de pognon, puis comme s'il en avait passé, il faut du pognon. De toute façon, comme on dit, l'argent va à l'argent. Voilà, alors. Tac, on repart, on a sauvé le deuxième neveu. Là, excusez-moi, je reçois une texto en direct de José là, qui est en train de commenter sa propre vidéo de son côté sur sa nouvelle chaîne. J'ai dégoûté quand je vois ça. Bon, bref, on lira le texte juste après. Il m'en voudra pas. Allez, c'est parti. On revient à Picsou. Tac, c'est dans tous les sens. Et là, vous allez voir encore que je suis perdu. Je sais pas comment j'ai fait, même dans un jeu où c'est plus 4 ans. Indiqué plus 4 ans sur la boîte, on va dire. Enfin, pas pour Picsou parce que c'est pas dans la boîte, c'est sur le PSN, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et puis même si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Alors, et si c'est grave quand même, parce que le but c'est de que vous compreniez. Et puis, même là, j'arrive à me tromper, quoi. Bon, là, finalement, je trouve la sortie. Hop là, et ben, bravo. Je suis mort. Là, il va me remettre au début. Et c'est parti. Cette fois-ci, on est prêt. Attention, est-ce que je vais réussir à passer? Eh oui. Hop là. Ouais, ben, je me suis pris le truc à même dans la gueule. Hop. On va essayer de prendre le trésor. On va grimper. Tac. Il y a un jeu de plateforme 2D que j'avais kiffé aussi. C'était, je me rappelle, c'était Oddworld. Bon, là, ils en ont sorti des versions 3D là sur la Play et tout sur Xbox. Mais bon, je sais pas. Ça m'a pas plu, mais c'est vrai que l'Exode Abe et l'Odyssée Abe, les premiers qu'ils avaient fait, ils étaient vraiment excellents. Ils étaient vraiment rigolos ce personnage. Hop, là, je fais me louper. J'ai chopé en bas. Je prends les jumps. Hop là. Qui part de la vie. Ah là j'ai réussi à récupérer tous les pièces, tous les diamants. Ça m'étonne même de moi. Ouais, heureusement que là je suis pas mort. Voilà. Tac. Ah ben voilà. Mamie Baba. Je la kiffe cette femme en fait. Elle me fait passer un peu à Maïté. Parce que voilà, tout le temps elle fait la bonne bouffe et tout. Moi j'adore la bouffe, les gâteaux, tout ça. Et les personnages comme ça, ça me fait triper moi. Ouais, regardez le gâteau géant, il est magnifique. Celui-là, si je l'ai en vrai, je crois que ce serait une grande aventure entre moi et le gâteau. Voilà. Là, c'est du grand n'importe quoi.
vous commenter. Mais en même temps, que vous dire, à part vous dire que c'est un jeu que j'ai déjà dit, qui est mignon et excellent, et je vous recommande. Vraiment, de toute façon, voilà, si je fais des tests sur des jeux précis, c'est que à la base, c'est des jeux qui m'ont plu, qui m'ont attiré, donc je me les suis procuré. Là, on va essayer de prendre le trésor, là, on va essayer de retaper sur le truc, et puis là, regarder Picsou, qui... Bah, les animations, elles sont terribles, hein. C'est vraiment excellent. Hop, on va essayer de récupérer le trésor en rond. Voilà. Ouais, non, donc je vous dis, à partir du moment où de toute façon, vous voyez une test sur la chaîne des jeux, c'est que voilà, c'est un coup de cœur et que il mérite d'être vu, il mérite d'être voilà, plus que de vous en parler, quoi, que vous soyez pas surpris, que vous soyez pas obligé d'aller sur internet pour taper est-ce que le jeu il est bon, est-ce qu'il a eu des bonnes notes et tout. Ben voilà, moi je vous dis, c'est, si vous aimez les jeux de plateforme 2D à l'ancienne, vintage, mais Picsou, ben, je vous le recommande. Alors, j'adore l'animation qui fait là quand il tape contre le truc. Regardez, c'est excellent. Hop, tac, tac. Alors là, je casse tout. Là, je vais encore me planter. Je sens, voilà, j'ai pris le truc dans la gueule, comme d'hab. Là, on remonte. Tac, bon, là, on part des statues et des trésors, pas grand chose. Je sens que j'ai tombé encore sur un fantôme à la con. Ah, tiens, il y a Fate qui m'envoie un message. Qu'est-ce qu'il me raconte encore? Sûrement pour me parler de Call of Duty ou de la team ou son groupe de compétition. Voilà, on verra ça après. Fade, je te passe le bonjour. Tac. On récupère les diamants. Ah, j'arrive pas à monter, c'est impressionnant. C'est... je suis une catastrophe. Oh là là. J'ai réussi à louper le mec qui était en bas, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un scandale. Le mec, il devrait être interdit du jeu vidéo, et il devrait être interdit de YouTube d'ailleurs. Là, je déconne. Non, mais ce que vous dites quand même, avec mon accent extraordinaire, et toutes les conneries que je peux débuter à la seconde, vous vous dites, c'est un accident, qu'est-ce qu'il fout là le chip? Mais qu'est-ce qu'il fout là le mec? Même moi, vous savez, au début, quand j'ai commencé mon premier commentary, je me suis dit, c'était la vidéo de Rixou, là. D'ailleurs, vous voyez, au début, j'ai du mal. Je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est une catastrophe. Et en fait, je suis là tout simplement parce que ça me plaît. Je m'éclate à commenter les vidéos de plus en plus pour vous. Je sais que j'ai une façon de commenter qui est, bon, qui est pas extraordinaire. Parce qu'en fait, je fais les choses instinctivement. Je calcule pas à l'avance. Je m'écris pas sur un bout de papier ce que je dois dire ou ce que je dois pas dire. Je le devrais probablement parce que ce serait beaucoup plus pro de ma part, évidemment. Mais je trouve que c'est enlevé du naturel de la chose, et puis c'est enlevé sa propre nature aussi, tout simplement. Le but aussi, c'est que voilà, les joueurs qui nous écoutent, les abonnés qui nous écoutent, si vous nous écoutez, c'est que voilà, c'est aussi pour ce qu'on est. D'ailleurs, la chance qu'on a sur la chaîne, c'est qu'on est plusieurs à commenter. Il y a Jo, il y a moi, il y a Négib, notre ami Négib, Dragon. J'en oublie, tellement on est pas mal, donc c'est ça aussi l'avantage qu'on a avec la chaîne, c'est qu'on est plusieurs, c'est une grande famille. Voilà, là on arrive à la fin du tableau, enfin je crois, je suis pas sûr. Bon, en tout cas, voilà, on va passer à la cinématique. Moi, écoutez, je vous laisse. Voilà, c'était DuckTales Remastered sur le PSN à 14,99€. Vraiment un bon petit jeu de plateforme 2D que je vous recommande pour vous, pour vos enfants et pour votre je vais pas dire gosse, mais pour votre épouse, pardon. Voilà, c'est Deryu, je donne un bon petit 15/20 sur ce jeu dans l'ensemble.